le fait que les enfants soient mélangés par âge permet aux plus jeunes en fait de s'élever. Et chez les plus âgés, cela vise à renforcer la confiance en soi. Les enfants sont toujours avec l'enseignante anglaise et ils sont toujours en français avec l'enseignante française. Et le vendredi, c'est une journée en binôme. L'enseignant est là pour observer l'enfant, essayer de découvrir ses centres d'intérêt et le diriger et lui faire apprendre, enfin incorporer le langage, les maths, les sciences dans ses centres d'intérêt. Les laisser faire, leur donner le temps de faire et puis surtout les guider dans cette autonomie. Le troisième pilier, donc, c'est la bienveillance. Humainement, tout le monde est au même niveau. Et ici, c'est une famille, en fait. Donc, on se respecte tous et les enfants respectent tout le monde, quel que soit l'adulte qu'il a en face de lui. Alors, le dernier pilier, c'est l'environnement. C'est pour moi un enseignant à part entière. Chaque environnement de l'école, intérieur ou extérieur, est pensé pour rendre l'enfant actif et motivé et ainsi renforcer sa confiance. Nous avons un magnifique jardin avec de très grands espaces, calmes, ludiques, favorisant la curiosité de l'enfant pour l'aider à se développer dans une atmosphère chaleureuse et de camaraderie. En classe, nous avons créé un espace ordonné, varié et très harmonieux pour qu'il prenne cette confiance en soi qui est indispensable et qu'il développe surtout des valeurs comme la rigueur et le respect des personnes et du matériel. C'est grâce à un environnement riche et de qualité qu'ils peuvent devenir autonomes et s'épanouir.